De continuer à assister à cette mascarade. Macky Sall vient encore une fois de nous faire vivre une journée ténébreuse, comme il en a l'habitude depuis qu'il est arrivé au pouvoir, à savoir vouloir continuellement procéder à la levée de l'immunité parlementaire d'adversaires politiques avec comme seul projet un projet financier de l'anéantissement de ses adversaires. Il l'avait dit et il est sur ce chantier-là, à savoir la réduction, à sa plus simple expression de son opposition. Mais se pose un véritable problème d'identification de sa véritable opposition. Parce que nous sommes 17 millions de Sénégalais. Si on soustrait de ces 17 millions les 2 500 000 qui ont voté, ce potentiel est de 14 500 000. Et ces Sénégalais attendent la prise en charge de leur préoccupation du point de vue sanitaire, la prise en charge de leur préoccupation du point de vue économique, social et autres, et non la réduction à sa plus simple expression de son opposition qui a objet tout simplement de tuer notre démocratie. Je vous rappelle qu'on est à l'Assemblée nationale. Le lieu par essence de l'expression libre des idées, le lieu par excellence de l'expression de la confrontation des idées, du débat également parlementaire. Mais vous êtes dans un lieu communisé. Il faut qu'on vous rappelle qu'on est à l'Assemblée nationale. Vous avez même des difficultés à faire votre travail correctement parce que tout simplement il y a des pas significatifs qui sont en train d'être faits dans le sens de l'intérieur. Ce n'est pas la mérite d'être freiné. Et c'est le lieu de faire un appel à tous les Sénégalais qui se mobilisent pour arrêter ces pas significatifs que nous avons de faire pour tuer notre démocratie. Cela veut dire cette mobilisation générale de prendre conscience de nos devoirs, de prendre conscience de nos responsabilités. L'affaire transcendante, c'est devenu un combat.